Ce souvenir. À l'approche de la fête religieuse de Toussaint, les allées des cimetières de la région ne désemplissent pas. Pourtant, lors d'un décès d'un proche, l'entourage n'est parfois pas au courant des démarches administratives à effectuer. Première des choses, c'est de faire une déclaration de décès auprès de la mairie où a eu lieu le décès. Donc l'inhumation, c'est le fait d'inhumer une personne dans un caveau de famille ou en terre ou dans une tombe, dans une parcelle achetée à la commune. Les délais sont maximum de 6 jours, sauf dérogation de la préfecture dans certains cas particuliers. Autre alternative à l'inhumation, la crémation est de plus en plus plébiscitée par les familles. La crémation, au lieu de faire une inhumation, si vous voulez, de la personne, on va donc au crématorium. Pour une incinération, il faut obligatoirement un cercueil. Les cendres sont récupérées par la famille ou les pompes funèbres. Il est interdit par la loi de conserver une urne chez soi. Mais en revanche, elles peuvent être placées dans un caveau, un columbarium, ou bien elles peuvent être dispersées. On peut les disperser en pleine nature. Il y a juste une déclaration à faire dans la mairie du lieu de naissance de la personne. C'est la seule chose qu'il y a à faire et c'est la seule chose qui est autorisée aujourd'hui comme dispersion. En général, les obsèques sont réglées par la famille, mais cela peut être également une banque ou une assurance que le défunt a contractée. Les gens font très attention au prix, regardent, demandent des devis, font de plus en plus de devis même chez les pompes funèbres. On sent vraiment qu'il y a la crise qui est là et les gens regardent de toute façon comme ils regarderaient pour un autre produit, quoi. Peut partir d'une crémation, par exemple, classique, qui va être aux alentours de 1700-1800 euros, vraiment dans des cas simples, qui peuvent monter jusqu'à 4000 euros, 4500 euros, mais ça va dépendre vraiment de la prestation que demandent les gens. Mourir à un prix, pour répondre à une demande croissante, l'entreprise de Patrick Dizer a pour projet d'ouvrir un magasin low cost courant 2014.